La tête. What big in a little? Hey! 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 Yo les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Vous venez d'écouter un petit bout de morceau là. Je sais que parmi vous, nombreux ont déjà vu ça sur la page Instagram du grand Baby Philippe. Ah, en tout cas, ça va chauffer. Parce que moi, je sais reconnaître un hit. Voilà. Dans cette vidéo, on va parler des deux prochaines sorties de deux gros poids lourds de notre copie décalée. Baby Philippe avec son blanc. Et Débordeaux les coups forts avec que du sale. Voilà, je vais réagir sur que du sale. C'est pas encore sorti, mais je vais dire quelque chose sur que du sale. Voilà. Parce qu'actuellement, l'artiste nous disperse trop. Il nous disperse trop. Et puis, je vais vous expliquer ça tout à l'heure après le générique. Donc, vous avez bien écouté le morceau de Baby Philippe. C'est pas un petit morceau. Ça, je peux l'affirmer. J'ai pas encore écouté que du sale. Mais je sais que Blanc Blanc de Baby Philippe sera vraiment, vraiment lourd. Et c'est un hit. Là, je peux l'affirmer. On se voit après le générique, les amis. Il en fait pour nous. On le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, à la base. Je procède à des firmes. Bon retour les gars, vous vous rappelez, dans tous les morceaux de Baby Philippe, le mec il annonçait ce hit là. À la fin de tous ces morceaux, c'est pas les blablabla, c'est maintenant ce sera les blablabla, je sais pas quoi, c'est ce qu'il disait là. Mais franchement, quand vous écoutez le morceau, quand tu es un connaisseur, quand tu as l'oreille musicale et puis tu écoutes les premières notes d'un hit, tu peux comprendre, tu peux savoir que blablabla de Baby Philippe là, ça sera pas du jeu. Voilà, c'est pourquoi je l'ai mis en versus avec que du sale de Bordeaux, parce que vous savez que de Bordeaux quand ils sont c'est toujours des hits. Mais en même temps, quand j'écoute bien la structure musicale de Blablabla de Baby Philippe, je sais qu'il a vraiment fait un travail de recherche. C'est un mélange. C'est un mélange de rythme coupé décalé et un rythme un peu afro. Et quand je sais que Baby Philippe, c'est aussi un fusain de hits, franchement, il faut que du sale de Bordeaux vienne lourd. Parce qu'il a dit, je crois dans une de ses vidéos, que, en tout cas pour cette fin d'année-là, le Blablabla va contrôler jusqu'en décembre. Or, le Blablabla sort ce 23 octobre. Le Blablabla de Baby Philippe sort ce 23 octobre. C'est mercredi. Bref, j'ai oublié de vous passer une information. Je l'avais passée hier, avant de continuer la vidéo, parce qu'elle est très importante. C'est le prochain single de mon petit cagoulé. Voilà, excusez-moi de faire sa promotion, mais c'est un petit qui mérite qu'on le soutienne. Voilà, moi, c'est un vrai, c'est pas un faux. Donc, c'est lui. Donc, ce 9 novembre, à partir des 19h sur la chaîne du Cagoulé, il vous sort son tout premier single. Vous allez voir comment il est pluridimensionnel. Comment il voit le petit est talentueux. Le petit, je parle du Cagoulé, hein, il sait danser. Il sait chanter. Il sait faire le comédien. En tout cas, c'est un artiste dans l'âme. Voilà, c'est un artiste dans l'âme parce qu'il regorge trop de talent. Voilà, c'est un artiste même à encadrer. Ne pas dire c'est un talent à encadrer, ce petit Cagoulé là. Voilà. Moi, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas pour parler. Vous savez très bien ce que je suis en train de dire, c'est faux. Si vous ne croyez pas, je vous demande pardon. Tapez dans votre barre de recherche le Cagoulé. Sa chaîne va sortir. Vous allez voir, il faisait des vidéos de comédie et puis il défendait aussi son artiste de Bordeaux. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et attendez jusqu'au 9 novembre. Vous allez comprendre que ce qu'Irito a dit là, ce n'est pas faux. Le petit chante superbement bien. Et le Pingo Dio que j'ai écouté là, son Pingo Dio, je viens d'écouter là. Et c'est que le nom du concept est bizarre. Mais ça n'a rien à voir avec le morceau, même parce que le morceau est trop lourd. Le morceau est trop lourd. Et puis, je sens que s'il n'y a pas d'hypocrisie, que tout le monde le soutient vraiment, tout le monde le pousse vraiment, je pense que Pingo Dio risque de faire tache d'huile dans cette fin d'année. Vous comprenez un peu, non? Voilà, moi je suis confiant de ça parce que le morceau du petit est vraiment, vraiment, vraiment chic, c'est intéressant. Donc, rendez-vous avec le Cagoulé ce 9 novembre à partir de 19h sur sa chaîne YouTube. Si vous ne le soutenez pas, qui n'a qu'à le soutenir? Voilà, il vous a fait rire ici, il vous a enjaillé ici. Il vous a défendu ici, donc donnez-lui de la force, c'est tout ce qu'on vous demande. On remet sur Blablabla de Baby Philippe. Donc, je vous rappelle que Blablabla de Baby Philippe sort ce 23 octobre, c'est-à-dire mercredi tout près là. Mercredi tout près là. Voilà, il sort. Voilà, donc ce mercredi-là, rendez-vous tous sur la chaîne du grand Baby Philippe, le plus grand arrangeur de sa génération actuellement. Ne faites pas de jaloux, vous savez qu'il est en train de dire la vérité. Tout ce qu'il touche, ce sont des hits. Voilà, il y a beaucoup de talentueux à l'instar de Shadow Chris, Cannavaro, Tichik la Magie. En tout cas, beaucoup de grands arrangeurs. Evic Segon, Champy Kilo. Mais actuellement, là, reconnaissez que Baby Philippe, c'est le baba.
En tout cas, de sa génération, hein, c'est le Baba. Il y a longtemps, lui fait des hits. Il y a longtemps, Bébé Philippe fait des hits. Son doigt haut fait des hits. Lui-même, quand il rentre en studio, c'est hit. Donc, sachez que son blanc blanc, là, ça ne sera pas du jeu. Moi, il y a confiance à son son, même là. Il y a trop confiance au son. Parce que quand j'écoute le morceau, c'est dansant, quoi. C'est transcendant. Et puis, c'est vraiment, vraiment chic. Voilà. Maintenant, on va parler de Que Digital de Bordeaux. Pourquoi je vous ai dit que je vais réagir sur Que Digital de Bordeaux? Je vous explique. En tout cas, moi, j'attends le son. Hein. J'attends le son. Parce que, actuellement, l'artiste est en train de nous disperser trop. D'abord, le mec, je vous parle de Bordeaux Likoufa, il a un gros concert ce 20 décembre 2019 à l'esplanade du Palais de la Culture d'Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit actuellement. Ses camarades aussi ont des concerts. Ils sont concentrés sur leur concert. Mais notre artiste là, comme il est ce qu'il est, on ne peut pas le changer. On lui parle, mais on ne peut pas le changer. Il est en train de s'embrouiller avec les histoires de direct par-ci, direct par-là. Dieu merci, il ne fait plus direct. Et j'ai remarqué que ces directs qu'il fait, c'est par rapport aux conférences de presse, par rapport aux réunions, par rapport aux différents concerts des autres artistes et de son concert aussi. Et ça, je l'en félicite. Mais en même temps, de Bordeaux Likoufa, si je te dis quelque chose, tu ne vas pas me croire. Si je vous dis que vous n'allez pas me croire, j'avais oublié que du Sal sortait ce 20 novembre. Moi, j'avais oublié. Et si vous vous rappelez, avant que DJ Arafat nous quitte, il avait annoncé 4 sons pour cette fin d'année. 10 septembre, 10 octobre, 10 novembre, 10 décembre. Mais malheureusement, on a eu un malheur avec la disparition de ce monument-là. Donc, ça a chamboulé tout le programme. Voilà, sinon cette année-là, avec des Bordeaux Likoufa, vous serez servi. Donc moi, si je fais cette vidéo-là, c'est pour d'abord vous annoncer que ce 20 décembre, à partir de 23h59, une heure qu'on lui a demandé de changer, mais il n'est pas prêt. Peut-être que c'est la baille à son babadi, c'est la baille à son fétiche. 23h59 sur la chaîne de Bordeaux Likoufa, Que du Sale. Franchement, quand j'écoute le morceau, ça a un titre de rap. Mais vous connaissez Bordeaux Likoufa, c'est toujours un travail de recherche, c'est toujours la surprise. Voilà, parce que moi, jusque-là, je réfléchis que du sale, comment il va chanter ça. Mais franchement, il faut que le son soit lourd, comme si je vous disais en début de vidéo là. Parce que Blanc-Blanc de Bébé Philippe, nous a fait écouter un peu. Et ça ne sera pas du jeu. Ça va chauffer. Donc, imaginez un son qui sort le 23. Imaginez un son qui sort le 23, que tout le monde a déjà écouté. Normalement, quand un nouveau son sort, c'est pour diminuer un peu l'effet. Mais si le que du sale sort, que ça n'agit pas trop sur le Blanc-Blanc de Bébé Philippe, là, on sera un peu découragé parce qu'on ne va pas reconnaître notre Debordo. Voilà. Donc, Debordo Likoufa, il y a donc Que du Sale qui sort ce 20 décembre là. Moi, j'avais oublié. Vous savez pourquoi j'avais oublié? Parce que j'étais concentré sur tes directs où tu es en train de faire les clashs par-ci par-là. Voilà. Donc, arrête ces directs-là. Concentre-toi sur son concert. Hein? C'est pas quand tu as parlé là. On va dire que tu es garçon. Tout le monde sait Abidjan ici. Tout le monde sait sur les réseaux sociaux ici. Surtout sur Facebook que tu contrôles. Tu as 200. Tu n'as même pas encore 300 000. Peut-être que tu as 300 000 abonnés maintenant parce que je ne suis plus trop l'évolution de ces abonnés là. Mais tu fais pratiquement les mêmes vues que DJ Arafat fait DJ Arafat quand il avait ses 3 millions d'abonnés. C'est pour dire que tu intéresses beaucoup d'hommes. Il faut juste écouter tes petits que nous sommes, tes petits frères que nous sommes, tes frères que nous sommes, pour pouvoir mieux t'améliorer et pouvoir te construire sur ta carrière. Tu as un profil, même à 50 ans, tu peux chanter pour toujours nous faire danser. Or, ces sorties-là peuvent entacher cette future carrière-là. Tu as accompli, hein? Voilà. Tu as de belles voitures. Tu as toutes les nanas que tu peux avoir, tu payes bien ta maison, tu as des projets que je vais taire ici. En tout cas, tu as accompli, ça va. Maintenant, on veut mieux que ça. Voilà, on veut mieux que ça. Il faut que du Sale vienne te faire nominer dans de grandes récompenses. Je ne sais pas si c'est parce que tu as cassé ton trophée la dernière fois que les gens sont perplexes, mais je ne dirais pas que c'est ça. Parce qu'avant ça même, on ne te voyait pas nominer quelque part. C'est dans les petites nominations qu'on te nominait, ce qui n'est pas juste. Donc, moi, toute ma prière, c'est que du Sale vienne tellement lourd que ce son-là puisse nous mettre tous d'accord. Voilà. Et ce que tu dois savoir, tu pourras que te faire aimer par ton travail, par ta musique. Comme je te dis souvent dans certaines vidéos, il y a beaucoup de Chinois qui t'adorent, qui t'adulent, qui t'aiment, qui se retrouvent même en toi. Mais comme toi aussi, tu es un des gameurs, tu fais souvent des sorties, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il y a, le moral, même on l'est, comme on n'arrive même pas à le saigner. Nous, on veut se cacher derrière lui, là, il nous clash, il nous rend plat. Donc, tu comprends? Je sais que ce que je suis en train de faire là, ça ne va rien changer sur toi, hein. Mais quand même, il faut écouter. On dit à un moment donné, il faut écouter. Tu ne connais pas tout, tu ne maîtrises pas tout. Ta vie même là-même, tu ne la maîtrises pas. C'est Dieu qui la maîtrise. Donc, quand tu as des frères ou des petits frères comme nous qui sortent te parler, gentiment d'ailleurs, il faut écouter. Parce que moi actuellement, là, il y avait oublié que tu dis ça. Dieu merci, je me suis rappelé. C'est pourquoi je dis, non, je vais faire cette vidéo-là. Pour dire aussi que le 23, mercredi tout près là, blablabla de Bébé Philippe sort. Et tu sais que beaucoup d'hommes t'attendent. Beaucoup d'hommes t'attendent. Faut pas, je vais te mentir. Beaucoup d'hommes t'attendent. Que ce soit musicalement, que ce soit sur ton concert. Et franchement, je ne souhaiterais pas que tu fasses un fiasco. Voilà. Ce serait toi-même qui aurais provoqué ça. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Dieu merci, tu t'es calmé. Il faut te calmer pour de bon. Jusqu'à la fin.
de ton conseil. Et si tu veux recommencer à dégamer, c'est ton libre choix. Parce qu'apparemment, je vois un peu tes directs, tu es dans un élan de réunification du couple décalé, c'est bon. Faut le faire avec tous les acteurs du couple décalé. Sois en paix avec tout le monde. Arrête de te faire des ennemis. Nous, on attend que du sale. Donc, chers légionnaires, chers magnans, chers fans de Débois de Lucifer, apprêtez-vous parce que ce 20 décembre 2019, Débois d'eau est en conseil live. Ce 20 novembre aussi, il sort son prochain hit. Que du sale. Il a sorti ses saletés ivoiriens il n'y a même pas longtemps. Vous avez tellement parlé. Vous voyez qu'il bosse, il fait des efforts. Donc, il faut vraiment, vraiment le soutenir. Soyez tous rendez-vous ce 23h59. Ce 20 novembre. Voilà. Blanc-blanc, c'est pour ce mercredi. Blanc-blanc, c'est pour ce mercredi sur la chaîne de Bébé Philippe. Je compte sur vous, donner de la force à vos artistes. Soutenez-les. Voilà. Et puis arrêtez de les rabaisser. C'est très important. On se prend au coup de la journée aussi.